ce visage qui est Tchax 003, vous ne craignez pas qu'il discrédite en quelque sorte le club des riches? Car nous avons entendu les paroles explicites qu'il mène sur scène. Donc ces paroles, vous ne pensez pas qu'ils peuvent offenser certains parents ou même pousser certains jeunes à poser certaines actions, pour un peu dire... Quel est le dernier bon film que vous avez vu? Vous aimez des acteurs tels que Tom Cruise, Denzel Washington, j'en passe. Ils jouent des rôles dans des films, n'est-ce pas? Okay. Est-ce que ça pousse les gens à poser des actes qui sont dans les films? Non, si les gens savent voir ça comme du divertissement, ce qu'on appelle en anglais du entertainment, on réalise qu'il faut faire la part des choses. Et Tchax 003, c'est un rôle qui joue. C'est une façon d'aller rejoindre ce sentiment d'appartenance des jeunes. Toute la frustration qu'il vit, il peut passer à travers le message de Tchax. Tchax, c'est plus intelligent que ça parce que, à travers le message qu'il passe, comparément à la musique américaine ou française que ce jeune doit écouter, il enseigne. Il enseigne le discernement. Qui est la différence entre le bien et le mal. Et lorsque Tchax lève l'éclair pour attaquer ses ennemis, c'est toujours dans l'intention d'éradier le mal. C'est une métaphore pour rejeter le mal de votre vie et accepter le bien. Voici la face qui solidifie l'organisation du Club des Riches. Parce que ça va chercher les jeunes, ça travaille déjà avec eux et ça donne sens à leur vie. En passant par le divertissement.